Frère, là, je suis en train, voilà, c'est du CBD, hein, mais j'ai entendu dire que voilà, il y avait une herbe verte comme ça qui se fumait, appelée marijuana, qui se fume aussi sous forme de résine, en petite save comme ça, là, toute brune, que tu trouves dans ta cheminée avant Noël, comme ça. Et bref, ça se fume, ton sang, tu roules, tu apprêtes et tu as ton joint comme ça. Et après, tu fumes ta beuh et mon pote, il me fait, t'es fou, toi, t'as plus d'effet, frère. Mais moi, je fume ma joint, je commence à parler aux cailloux, aux canettes qui traînent par terre. Je chante aux hirondelles que la vie est belle, je leur fais. Hé, les hirondelles, je voudrais bien une petite pelle. Et j'ai fait, mais. Mon abeille me fait plus planer, frère. Tiens, c'est la galère. Et il me fait. Moi, je prends une taf, mec. Je saute comme un kangourou, comme ça. Je sais même pas pourquoi. Je suis là. Hop! Et il a tout compris, j'en ai. Mais comment il fait? Il fume la beuh au poil de chat de Marie-Laure ou quoi? Et la fumée là, c'est toxique ou quoi? Il paraît, je sais pas, mon pote, il m'a dit, ça troue la couche d'ozone. Et en plus, je fais, frérot, tu fumes quoi comme beuh? Il me fait, c'est de la beuh, Northern Light, coupé à la White Widow avec un mélange de Purple, il me fait des Orange Bud, la White Widow, la Super Skunk, et en gros, c'est. Une bonne beuh, quoi. J'ai fait, ouais, ok, mais tu comment ça se fait? Dès que tu fumes, toi, tu fais des sons de cabri, tu te prends pour un taureau, le toréador, et tu fais, alors qu'il n'y a pas de taureau, t'es seul dans la rue, tu fais, c'est quand même pas mal le cannabis, mais fais attention, frère. Et là, il me fait, attention, parce que c'est mon sixième jour, mec. Et j'ai fait, ok, alors vas-y, on start le septième. Il allume le joint comme ça. Petite barre de bâtard. Deuxième petite barre de bâtard comme ça là. Trois, quatre. Il enchaîne des barres comme ça. Et il part comme ça. Pop, 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 pop. Et comme ça, il part, il fait le cabri comme ça. Pop, pop, pop. C'est moi Jolly Jolly. C'est moi Jolly Jolly. C'est moi Jolly Jolly. Et il saute comme ça. Toc, 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 toc. J'ai fait, mais. Dans la beuh, ça te fait des effets pervers. Et il me fait, non, la beuh, moi, ça me fait planer. Et j'ai fait, ah ouais, tu planes, mec. Et j'ai fait, va sauter sur le platane là-bas, en saut de cabri. Et il me fait, ah, t'es pas trop, tu casses l'ambiance, ça se voit que tu fumes que de la merde, toi. Et j'ai fait, traduit, oui, du shit. Et il me fait, non, le shit, c'est bon, toi, tu fumes de la moquette. Et j'ai fait ouais, il y a tellement de miettes ça. Il me sort un truc de dingue. J'aurais appris que c'était un bon, une cul, un globe comme ça. Mais il me sort un truc, voilà, et il me sort une sorte de grosse bite avec une grosse boule. Et il commence à la remplir d'eau comme ça et il met des glaçons. Et je lui fais, s'il te plaît, c'est en public, tu vas pas commencer à sucer ton truc et asperger toute cette eau comme ça. Aspirer, tu vas quand même pas faire ça en public comme ça. Et il me fait, mais ça, t'es con, c'est un banc, ça me fait sauter comme un cabri. Après, je plane, frère. C'est le bang, mec. Ouh! Et j'ai fait, ok, alors c'est pas une sorte de vibro, un truc pour sucer comme ça, en toute discrétion, en vue du public, comme ça, c'est genre, putain, ce qu'elle est bonne, je te veux. Il fait, mais non, c'est on dit, putain, ce qu'elle est bonne, je te veux. Ah, j'ai fait, ah ouais, que j'ai mal compris, frère. Et il me fait, ouais, c'est vrai que de loin, une fois, il y a une qui m'a dit, si j'étais une queue, tu te sucerais bien. J'ai un peu mal pris le compliment. Mon pote, journée, j'ai fait, vas-y, fais-moi tourner ta beuh magique, frère, j'ai envie de sauter comme un petit cabri en chaleur. Et il me fait, non, c'est ma beuh pour sauter comme un cabri.
Bon, attends, t'es mon pote, vas-y, fume. Voilà, j'allume ça un peu de dingo, là, je prends une tasse de bâtard. Une petite tasse d'enculé, quoi, il était mal allumé, je vois, attends, une grosse tasse de bâtard. De petits bâtards, alors. Je sais pas, là, après avoir fumé cette beuh, il me vient à dire, je vais lui faire. Genre, ça m'a rendu toqué. Et depuis, je parle plus que par onomatopée, tu vois, je sais plus prononcer un mot à syllabe, tu vois. Je les hachure, je les transonne, du genre, je dis bonjour, ça fait. Je dis au revoir, ça fait. Je fais, j'invite-toi, mademoiselle, c'est. Ou alors, je sais pas, t'aurais pas à fumer. Tu vois, je fais plus des onomatopées, j'arrive plus à exprimer un mot clairement. Je vais lui faire genre, dès que j'ai fumé, ça m'a rendu ouf. Il va flipper, mon frérot. Il va faire, oh putain, elle était trop forte, sa beuh. Attends. Et là, mon pote, il me fait, hé, hey, qu'est-ce que tu as? Et là, mon pote, il me redemande qu'est-ce qu'il y a. Il me fait, t'es constipé, il y a des toilettes pas loin. Si tu veux, je t'accompagne. Si t'as pas envie d'y aller seul. J'ai fait. Et là, je reprends une beuh. Une petite taf comme ça, le bâtard. Pouet, pouet. Il me fait, frère, tu t'exprimes bizarrement depuis que t'as commencé ton joint là. Allez, rends-moi la beuh, frère. J'en donne sans en manger avec ton sang. Ils prennent une taf, ils sont sur place comme un cabré, ils restent sur place. Ils sentent quelque chose va mal quand même de mon côté. Il me fait, j'ai vu frérot, tu vas mal. Tu parles bizarrement depuis que t'as fumé. Je vois que tu fais. Ou tu fais. Et j'ai fait. Et bon, il me fait, attends, je vais appeler SOS. Cas psychiatrique en détresse. Et là, j'ai fait. Hey, frérot, attends, c'est déconner, frère, c'est pas onomatopée. Je délirais, frère, je voulais te faire triper, frère. Et là, il fait. Et je me dis, il joue au même jeu que moi, quoi, il fait quoi, cet enfoiré? Et j'ai fait, t'es constipé, quoi, les toilettes, elles sont pas loin, si tu veux, je te tiens la main. Et il me fait. Tu fais quoi, tu. Tu mimes un corbeau qui trouve pas les toilettes publiques, alors qu'il a caché en volant. Et il me fait. Je fais, tu fais quoi, un corbeau enroué qui cherche les toilettes publiques. Et il me fait. Je sais pas, depuis il parle plus comme ça, c'est pour vous dire, il y a des bœufs par exemple, si tu vois, je sais pas, déjà elle parle la bœuf, tu la mets dans ta feuille comme ça, elle te fait, fais-moi mon petit salaud, ça aura des effets de salope, tu vas me péter le cul, espèce de petit crevard. Déjà, si elle te parle, tu dis un truc bizarre, c'est de la beuh de dingue. Ensuite, si tu continues à rouler, c'est alors c'est comme ça que tu traites, tu sais pas. Tu dis la mauvaise herbe est dans le chaleur. Elle continue à te parler, elle te fait. Hé frérot, je suis dans ta tête. Pour dire, par exemple. Attends, je prends une petite taf là, c'est dangereux, frère. T'imagines, après, je vois une demoiselle lui faire. Mademoiselle, je vous offre une monte à l'eau, une verveine. Si vous. Voilà. Maintenant, je vais faire. Et mon pote, là, tout d'un coup, il s'est déperché. Il me fait un saut de cabri. Je pense une relance, un peu de la flashon, là. Et il me fait. Hé, frère! C'est pas con, toi, c'est pas mal comme technique de drague, imagine. Je lui fais comment ça, tu vas arriver vers une meuf, tu vas faire.
Tu crois, elle va te donner une capote, non, elle va te donner un laxatif, elle va te faire les toilettes, c'est par là. Et il me fait. Et je lui fais, tu me fais la vache, là, tu me fais le mauvais genre, tu veux qu'on t'étouille les mamelles, vas-y. Et il me fait. Et je lui fais, c'est un effet de tableau perverse encore, quoi. Et il me fait. Et il me fait. Ah ouais, tu veux jouer à ce jeu-là, l'onomatopiste. Et je lui fais. Il me fait, tu me fais une vache et un corbeau en train de poser une pêche dans la plus belle harmonie du monde. C'est-à-dire d'un soleil magnifique. Et il me fait, c'est très bucolique, c'est vrai, t'es un poète. Un poète. Un poète. Ouais, c'est l'esprit, c'est comment dire, c'est plus les Trente Glorieuses, je veux dire frère, c'est les rides qui apparaissent sur le cul, ça me fait une deuxième raie, de loin on me fait, hé, y a Rayman, t'as combien de Rayman? Rayman. Rayman, ah ouais, vous avez cru que tu parlais des petits joueurs qui sautillent dans les nuages, frérot Rayman. Ah ouais, Rayman. Ah, j'ai compris. Ah, Wrinkle, la blague, t'es wrong, toi. T'es vraiment tordu. Et là, il me fait frérot, t'as beau frère. Et me fait faire des trucs de dingue. T'as remarqué, je saute comme un cabri. Et j'ai fait, bah oui, c'est ce que je te dis, frère. Et il me fait, mais en plus, c'est que t'as pas vu les effets pernicieux que j'arrive à contrôler en grand public, comme ça. Et je lui fais, mais quels effets, frère? Et il me fait, c'est-à-dire que dès que je rentre chez moi, je me mets comme ça, c'est. Et je lui fais, mais c'est normal si tu fumes la bonne beuh, frère. Tu t'éclates, frère. Il me fait, mais oui, mais. Je commence, tu vois, avec un cul rouge comme ça. Je sais pas ce qu'il y a. Je fume. Je commence à faire un cul rouge comme ça. Et voilà, je cherche comme ça. Je tourne en rond pour une demoiselle au centre de la pièce comme ça qui renifle mes bouts, qui commence à chanter à force, tu vois, de faire une petite danse, Dieu. Et j'ai fait, vas-y, frère, lance une onomatopée, t'as plus de chance, voilà. Tu fais comme ça. Et il me fait, mais non, frère, moi je fais comme ça. J'ai fait, t'as vraiment une beuh dingue, toi. Je vais pas y toucher, t'as un beuh, frère. Imagine, je commence à faire le cabri. Je vois une belle demoiselle, je fais là. Et il me fait, bah oui, elles aiment l'originalité, elles aiment pas trop le côté trop stressé, comme ça, tu vois. Toi, tu fais ta beuh, après, tu fais l'onomatopie. J'ai failli appeler les urgentistes, mon taux. Et je lui fais, mais oui, il faut se dérider, frère. Rayman, Rayman. Et il fait, ok, je te rajoute combien? Alors, souffle les bougies, frérot. J'ai fait, à la tienne, ancien. Vas-y, fume ton. Ta cuve, quoi, vas-y. Et il me fait, je te précise que ceci n'est pas un god miché, quoi, pas capté. Si je mets donc, c'est pour faire multiplier l'effet du THC dans les alvéoles de tes poumons qui en pâtissent un premier temps avant de dire non merci, la défense ne m'intéresse plus, c'est déjà totalement cramé. Et oui, parce que frérot, il me fait, c'est quoi, frère, dès que j'allume ce joint, qu'on me sent, et je prends. Une tasse d'enfoiré qu'on sort.
Il me fait, je peux plus me contrôler, je pense plus qu'à l'achat, j'ai besoin vraiment, tu vois, de trouver de la moelleuse comme ça. Et je lui fais, ouais, ça t'excite là-bas, ça te donne envie de fritoyer, voilà, des. Et il me fait, ouais. Et je lui fais, attends, essaie le truc. Et là, j'ai fait, c'est simple, je sais pas si t'as vu American Pie. C'est un truc quand t'es vraiment un petit peu ancien, mais pas trop. J'ai fait tranquille, frère. J'ai fait, alors tu vois, tu roules un joint comme ça. Voilà, tu la prêtes, tu l'allumes pas encore, tout ça. Et tu prends une feuille et tu fais un trou, tu vois, avec le doigt dedans. Ensuite, voilà, tu fumes le joint et dès que t'as envie de cul, ben, tu fourres la feuille comme une chatte, comme ça, tu vois. Ça te coûte, je sais pas, 10 centimes, une feuille OCB. Et il me fait, mais, il est où le sens de... Et j'ai fait, bah, tu la promets dans le sens que tu veux, mais tu chopes comme ça. Et il me fait, mais ça me sert à quoi? Elle va pas sourire, elle va pas crier. Mais j'ai fait, alors. Frérot, il est pas con, il fait, mais ça ne sert à quoi de forer une putain de feuille raisin comme ça et de la forer sur mon gland comme ça, j'ai passé pour un teubé, mec. Et j'ai fait, mais attends, imagine que la feuille elle crie, elle fait ah! Et il me fait, mais oui, mais attends, moi j'ai envie de parler avec. Et j'ai fait, imagine qu'elle parle, je sais pas, glou, 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 glou. Et il me fait, mais t'es pas poétique, toi. J'ai fait, ouais, c'est mon petit côté pratique qui s'exprime, et il me fait, attends, frérot, là, je vais te dépanner, je vois que t'es vraiment chien, attends, alors prépare une feuille, voilà, je vais pas voir ton truc, vas-y, tu te la fourres, on se crête, comme ça, tu remets ta braguette, et quand tu touches, comme ça, je vais faire des cris, comme ça, je fais, et là, il me fait, mais attends, c'est un truc pour m'entourlouper, quoi. J'ai fait, non, sincèrement, c'est vraiment. Je vais te faire une petite chaudasse, genre vraiment. On se fait sur une île et je te crée de la chaudasse à la paix, tu vois ce que je veux dire. Alors, la petite coquille, qui n'existe que dans cette réalité, elle te fait. Du coup, voilà, il commence à fourrer la feuille, comme ça. Et pour entrer dans le jeu, à chaque fois, je fais. Ah! Il refourne la feuille, comme ça, je fais. Il refourne la feuille. Parce qu'il la fourra comme ça. Et on délira comme ça. Et une petite dame comme ça, elle passe et elle fait. Vous jouez à des jeux curieux. Mon pote, maintenant, c'est toi qui vas faire les cris de salope. Et pendant ce temps. Je vais mettre une feuille Rizla sur mon gros gland. Et là, mon pote, il fait ok. Bon, c'est parti. Je fais. Il fait. J'ai fait, mais toi, je t'embaucherai presque pour tapiner dans le boulevard Jean-Michel Trois-Côtes, tout ça. T'es vraiment doué. Tu as fait quoi? Une école d'orgasme de voilà comme ça. Il me fait non comme ça c'est naturel. Je me dis naturel, sans don caché des choses en sous-tendance. Tu dois faire comme ça, mettre le petit canard entre les fesses et siphonner la douche, hein, c'est. Et il me fait non, même que plutôt tu vois, oh putain, j'ai oublié, j'ai attaché comment là? Elle est attachée avec le truc de douche. Ça fait 3 jours que je suis pas rentré chez moi. Crevard, je suis. Oh, je suis sans Dieu. Oh, je suis dans la merde. Mais dans tous les cas, c'est ça, mais t'oublies ce que tu fais. J'ai fait, mais t'es dingue, ça fait 3 jours, tu m'aurais dit, je serais allé la satisfaire au moins. 5 fois par jour, parce que je suis gentleman, tout ça. Il me fait, mais t'es un dingue, c'est une vraie fauve, elle ne tolère que moi. Et je lui fais, ouais, elle a raison, elle se respecte, c'est bien.
Il fait, ouais, non, 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 si t'entres, elle va te manger, comme ça, les vorophiles, tu vois, elle va te manger, je sais pas, un bras, un pied, une couille, non, dingo, frère, vas-y pas, attends ça, ou alors tu jettes de la viande crue, et voilà, pendant ce temps, tu peux la caresser, comme ça. Donc si jamais là, il me reste un petit jaune superbe, mesdemoiselles, si vous êtes intéressées, si par exemple vous voulez, je sais pas, si vous voulez jouer de la feuille OCB, tout ça. Ah! On préfère un concours comme ça, on fait. On fait ça dans le public, les gens ils font. C'est incongru quand même, faire ça en public. Et c'est comme Meg Ryan là, quand elle fait l'orgasme au cinéma, au restaurant, elle fait... Ah! Attends, ouais. Non, mademoiselle, on fait ça en pleine rue, tu vois, genre, on marche comme ça, on traverse l'allée principale, t'as un coup, tu fais Et moi, je vois ça, je Les gens, ils s'entendent, ils font, il y a des gens qui baissent par ici, ou quoi. Et là, entre-temps, tu vois, on fait ce cri, genre, on marche tranquille, tout ça. Ils font, on a dû rêver, je sais pas, j'ai entendu des cris pernicieux, il y a quelqu'un qui a dû orgasmer par ici, sous le caniveau, je sais pas, dans le bus, peut-être, dans une voiture, sûrement, qui a passé. Et après, tu fais Vous êtes marrant quand même avec ta copine.